Ferme ton micro, ton haut-parleur, Cécile. Donc, bonsoir, bienvenue à l'Assemblée publique de consultation du mardi 8 mars 2022. Donc, au point 1, on a l'ouverture de l'Assemblée publique de consultation. Puis au point 2, on a une demande de dérogation mineure, donc DM 2022-0102 pour le 115 rue Belleville. Donc, lot 5 699 106, matricule 5937-419292. Donc, portant sur la marge avant secondaire. Au point 3, on a une demande de dérogation mineure pour le 47 Notre-Dame. Donc, sur la largeur des deux allées d'accès à sens unique. Donc, je vais laisser notre nouveau directeur de l'urbanisme, M. Patrick Gingras, vous faire la présentation. Donc, bonjour, merci M. le maire. Donc, je vais commencer le partage d'écran, ce ne sera pas bien long. On devrait voir bientôt à l'écran ici aussi. Oui, c'est ça. OK. Donc, excellent. Je ne sais pas, on voit pas l'écran ici ou... OK. Parfait. OK, donc on commence avec le point 2. Donc, demande de dérogation mineure pour le 115 rue Belleville, donc le lot 5 689 106. Donc, si on a la localisation, on voit là que c'est le lot qui est en jaune là, sur le bord de la rue Belleville. Là, donc, on voit qu'il est contourné là, par la rue Belleville qui fait une courbe ici. Donc, en fait... cette dérogation mineure-là, c'est pour permettre la marge avant-secondaire de 5,45 mètres au lieu du minimum requis au règlement de 6 mètres. Donc,
Je vais vous montrer le bâtiment qui est prévu, là, juste à titre informatif. Là, donc, c'est une habitation unifamiliale avec un garage attenant. Donc, on peut voir ici là, la façade là, en avant, puis au niveau latéral, là, ce qui est visible aussi de la voie publique. Donc, on se rend au plan d'implantation où on va pouvoir voir là, justement distance là, qui est visée par la dérogation. Donc, on a ici le terrain, là, on voit que la rue Belleville fait la courbe ici. Donc, si on zoome un petit peu, on peut voir ici la marge avant qui est visée par la distance. Donc, au lieu de 6 mètres, on a le 5,45 mètres. La ligne qui est ici, c'est là où débute l'emprise de la voie publique de la rue Belleville. Donc, ça, c'est la première dérogation mineure. Par la suite, on va aller à la deuxième. Donc, on est au point 3. Donc, ça vise le 47 rue Notre-Dame. Donc, c'est pour permettre la largeur de l'allée d'accès à sens unique de 3,05 mètres pour le lot 57-01-024 au lieu du 5 mètres minimalement requis. Donc, on voit ici, là, en fait, bon, je vais zoomer un petit peu, juste pour être certain. OK, donc c'est ça, 0,24, là, c'est celui-là ici, là, celui qui est en jaune. Puis aussi, la dérogation vise également à permettre la largeur de l'allée d'accès à sens unique de 3,35 mètres pour le lot juste à côté. Donc, le lot 56-99-054, donc ça se trouve à être juste à côté ici, au lieu du 5 mètres minimalement requis là, également. Donc, ça, c'est pour un bâtiment commercial. Je vais juste vous montrer au niveau de l'implantation là, qu'est-ce qui est prévu. Donc, on voit ici là, la voie publique est ici, là, donc la rue Notre-Dame. On a les deux accès ici, donc qui permettent d'accéder au stationnement à l'arrière puis à la zone de livraison. Je vais zoomer un petit peu. Donc, ici, si on zoome, on peut voir l'allée d'accès à sens unique. On peut voir la distance qui est prévue là, de 3,05 mètres là, au lieu du 5 mètres minimalement requis. Donc, on voit que cette allée-là mène au stationnement à l'arrière. Puis, si on fait le tour, là, on voit le sens unique qui retourne vers la voie publique. Donc, avec une largeur de 3,35 mètres qu'on voit ici, au lieu du 5 mètres requis. Donc, c'est ça, les deux dérogations mineures qui sont prévues, qui sont présentées aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Gingras, pour la présentation. Donc, au point 4, on avait une période de questions. Est-ce qu'on avait des questions en ligne, Mme Beaudoin, en lien avec les deux présentations? Donc, M. le maire, nous n'avons pas de questions sur le clavardage en ligne pour le moment. Donc, parfait. Donc, au point 5, levée de l'Assemblée publique de consultation. Donc, merci beaucoup. Oui. Juste recliquer sur l'icône. Donc, on est rendu à la séance ordinaire, donc du mardi 8 mars 2022. Donc, au point 1, on a l'ouverture de la séance. Donc, en présence de M. Jérémy Bourque, M. Philippe Aubin-Stabin, M. Steve Savard, M. Yannick Proulx, Mme Cécile Desnoyers, en présence de Mme Marie Daou, directrice générale adjointe, et moi-même, donc je déclare le quorum
et la séance ouverte. Au point 1.2, on a les points d'information du maire. Donc, aujourd'hui, c'est la journée de la femme, comme vous avez pu constater. Donc, journée internationale des droits des femmes. Donc, on voulait prendre un petit moment pour remercier toutes les femmes pour tout ce que vous accomplissez. Donc, autant les femmes dans notre entourage, dans notre famille, au travail, partout. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Puis, c'est un honneur de travailler avec vous pour ce qui est de nos collègues de travail. Donc, malheureusement, on a appris dernièrement qu'il y a eu un décès, M. Luc Usereau, donc de la famille Usereau, durant Sainte-Sophie, qui est décédé. Donc, M. Usereau, il a été conseiller municipal de l'ancienne paroisse de 1971 à 1987. Donc, il a été conseiller pendant 16 ans à la municipalité d'Oka. Donc, j'étais présent ce week-end avec M. Bourque là, pour aller souhaiter nos sympathies à la famille. Donc, on le fait publiquement. Donc, nos sympathies à toute la famille Usereau, là, puis toutes les amis aussi et l'entourage de M. Luc Usereau. Puis, merci pour votre temps que vous avez consacré là, pour la paroisse d'Oka. Vous allez voir un peu plus loin dans les correspondances, on a aussi reçu la subvention du ministère de l'Environnement de 53 076,15. C'est en lien avec l'élimination des matières résiduelles 2021. Donc, c'est une redevance qu'on a annuellement, donc une subvention. Aussi, on a un peu plus loin, on a le règlement de changement des limites de vitesse dans les rangs. Donc, les rangs vont passer de 80 km/h à 70 km/h. Donc, ce soir, on a l'avis de motion, présentation de règlement et le dépôt. On a envoyé un communiqué par la poste là, à tous les résidents là, dans ce dossier-là. On a aussi à venir une rencontre avec le ministère des Transports, donc en lien avec nos demandes qu'on a fait, une partie de nos demandes. Pour ajouter un feu clignotant et une traverse piétonnière devant le parc d'Oka, pour traverser dans le fond au calvaire. On a aussi une demande pour un arrêt au coin de Sainte-Sophie et 344 et l'ajout de 5 traverses piétonnières sur la rue Notre-Dame. Donc, une rencontre à venir avec le ministère des Transports. On a reçu aussi une correspondance là, à cet effet. Je voulais revenir aussi au niveau de la présentation du projet déneigement qu'on a fait le mois dernier. Il y a eu une petite lacune au niveau des montants qu'on économisait. Là. Moi, j'ai parlé de 350 000. Madame, notre directrice des finances, parlait de 150 000. Le 350 000, c'est vraiment la différence entre le plus bas soumissionnaire et l'entrepreneur actuel pour les prix à venir. Donc, dans les résultats d'appel d'offres pour les prochaines années. Donc, il y a 350 000 d'écart entre les deux contrats. Puis, Mme Chardola, le 150 000, est-ce que vous voulez l'expliquer? Là? C'était quoi votre explication du 150 000? Oui, en fait, le 150 000, c'était la différence entre le contrat actuel avec le contractant et le contrat à venir avec le plus bas soumissionnaire là, de l'appel d'offres. OK. Donc, on voulait juste éclaircir ça. Comme vous avez pu constater, ou peut-être pas, mais il y a eu des graffitis sur le long de la 344, entre autres sur un bâtiment au coin de la rue Saint-André et sur des panneaux du ministère des Transports. Donc, la demande a été faite au ministère des Transports, les panneaux ont été retirés. Puis le graffiti sur le bâtiment au coin de la rue Saint-André-Notre-Dame, on a contacté les propriétaires, qui est une succession, pour qu'ils puissent nettoyer le graffiti là, le plus rapidement possible. Donc, c'est le département de l'urbanisme qui a envoyé là, un avis aux propriétaires. Donc, si vous êtes témoin de gens qui font des graffitis sur le territoire, veuillez le plus possible avoir d'informations. Si vous êtes capable d'avoir un numéro de plaque, ce serait l'idéal. Sinon, le plus d'informations possible sur les individus là, qui causent ces gestes-là, qui est très malheureux là, pour nos infrastructures, enseignes, etc.
Gênez-vous pour le signaler à la Sûreté du Québec là, le plus rapidement possible. Donc, on a reçu hier, en début d'après-midi, une poursuite pour le refus d'émettre un permis de démolition pour le 93 des Cèdres. Donc, on va remettre ça entre les mains de nos procureurs. Donc, comme vous savez, le mois dernier, on a refusé une démolition pour le 93 des Cèdres. Donc, c'est un dossier qui est assez complet au niveau de l'urbanisme. Il y a quand même un dossier avec quelques avis d'infraction, des infractions aussi. Puis on avait reçu une pétition là, de plus de 70 noms là, en lien avec cet individu aussi. Donc, pour l'instant, là, c'est encore frais. On a reçu ça hier après-midi. Mais de ce qu'on a constaté de notre côté, là, on n'a pas rien à se reprocher. Aussi, on se croise les doigts, mais le ministère des Transports devrait venir boucher les nids de poule sur la route 344. Donc, dans le noyau villageois, là, Notre-Dame-Saint-Michel, c'est quand même chaotique. Donc, en principe, devrait venir réparer ça demain. On se croise les doigts, puis on les suit de proche là, au niveau du ministère des Transports. C'est sûr qu'on n'est pas la seule ville et municipalité là, qui a ces problèmes-là avec le gel-dégel qu'on a connu, la pluie et tout, là, c'est pas un cocktail très gagnant-gagnant là, pour les nids de poule. Puis, je vous le répète, si vous avez constaté des nids de poule importants sur le territoire, appelez à la municipalité pour le signaler. On ne peut pas être partout en même temps, vous êtes nos yeux, nos oreilles. Fait que si vous voyez quelque chose, que ce soit un nid de poule ou autre chose, gênez-vous pas pour le signaler à la municipalité. Puis on va ouvrir une requête là, à ce moment-là. Pour la suite, je vais laisser M. Proulx là, prendre la parole, puis je vais continuer par la suite. Merci, M. le maire. Je voulais juste faire une intervention parce que il y a quelques semaines, j'ai reçu une lettre anonyme qui contient beaucoup d'insultes, beaucoup de mauvaises intentions, beaucoup de mensonges et quelques menaces à la maison. Et puis, je n'ai pas trouvé ça très agréable parce que je crois que je suis un élu qui est présent. J'habite à Oka, je suis à Oka. Oui, je travaille à l'extérieur, j'ai un horaire de travail comme toutes les autres personnes. Mais quand on m'appelle à la maison, je retourne mes appels. Quand on m'envoie des courriels, je prends des rendez-vous, je me déplace chez les gens. Je suis quelqu'un qui est très présent sur le terrain. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas sur Facebook. Je ne veux pas commenter aussi ce qui se passe sur Facebook. Je n'embarque pas dans ce game-là, moi. Donc, je crois qu'un minimum de respect, c'est que si il y a des gens qui ne sont pas contents de mon travail ou qui veulent argumenter mes décisions, au moins qu'ils le fassent de façon directe et pas anonyme. Ça serait apprécié. Puis, je ne me cacherai pas, je vais discuter avec eux. Puis, si nos opinions sont divergentes, je vais respecter ça. Donc, j'espère que ça ne se reproduira pas. J'aimerais pouvoir faire plaisir à tout le monde. J'aimerais être le meilleur élu du monde, mais non, on n'est pas d'accord. On ne peut pas toujours être d'accord. Donc, si jamais vous avez des mauvaises intentions ou quoi que ce soit, mais passez pas par des lettres anonymes, puis des insultes, puis des menaces, s'il vous plaît. Merci. Merci, M. Proulx. C'est un peu désolant de voir ça. On avait vécu aussi d'autres situations similaires, moi puis M. Proulx, là, il y a quelques années. Puis on dirait que ça revient un peu, ça refait surface, là. C'est très désolant. Puis, il y a certaines personnes qu'on pourrait appeler des influenceurs qui font en sorte que ces personnes-là sont comme encouragées par ces influenceurs qu'on va appeler. Puis, il n'y a pas d'âge pour être influenceur en passant. Donc, ce sont des gestes qui sont dénoncés depuis plusieurs mois, même années. Ça a été dénoncé par le premier ministre du Québec. Ça a été dénoncé par l'Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités. L'intimidation, ça n'a pas sa place en politique.
J'ai lu la lettre que M. Proulx a reçue, puis oui, il y a des menaces, il y a de la diffamation même dans cette lettre-là. C'est inacceptable. Si vous avez de l'information en lien avec la personne qui a pu écrire cette lettre-là, veuillez nous en informer. On est prêt à donner une récompense de 500 $. Ce n'est pas la municipalité d'Oka qui va le payer. C'est nous, l'équipe Pascal Quevillon, qui va débourser. Assez, c'est assez. Donc, gênez-vous pas si vous avez de l'information qui mènerait à une arrestation de cette personne-là. On offre 500 $ de récompense. Au point 2 de l'ordre du jour, on a un ajout au niveau de l'adoption dans les autres sujets. Donc, c'est le 13.3 qu'on va ajouter. Donc, les élus municipaux québécois solidaires au peuple ukrainien. Donc, ça va être ajouté à l'ordre du jour. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Savard propose. Pour. Au point 3, on a les procès-verbaux. Donc, 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2022. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Rémi propose. Oui, M. Bourque propose. Pour. 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 3.2, dépôt du procès-verbal de l'Assemblée publique de consultation du 8 février 2022. Proposeur. Yannick propose. M. Proulx propose. Pour. 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 Au point 4, correspondance, on a 4.1, une correspondance du ministère des Transports du Québec, donc ce que je vous parlais tantôt. Donc, une demande de rencontre en réponse aux demandes de la municipalité d'Oka. Donc, l'ajout d'un feu de circulation, un feu clignotant et traverse piétonnière sur la route 344 à l'intersection du Parc national d'Oka. Puis, l'implantation de 5 traverses piétonnières sur la rue Notre-Dame et l'ajout de 2 nouveaux arrêts à l'intersection Sainte-Sophie et de la route 344. Donc, la rencontre là, elle va s'éduler prochainement. On a reçu aussi une correspondance du ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique, donc l'annonce d'une subvention au montant de 53 076,15 dans le cadre du programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles pour l'année 2021. 4.3, une correspondance de notre députée, Mme Sylvie Damour. Donc, Mme Sylvie Damour demande au ministre des Transports du Québec, M. François Bonnardel, de réaliser une étude sur l'ensemble de la route 344 entre Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Saint-Placide afin de trouver des solutions pour rendre cette route plus sécuritaire. Donc, c'est suite à une rencontre qu'on a eue avec Mme Damour en janvier. Donc, on lui a fait part de certaines problématiques qu'on vivait sur le territoire. Au point 5, on a une période de questions relative à l'ordre du jour. Mme Beaudoin, est-ce qu'on avait des questions? Donc, M. le maire, nous n'avons pas reçu de questions par courriel relatif à l'ordre du jour et nous n'avons pas de questions en ligne. Parfait. On n'a pas de questions dans la salle non plus. Donc, on tombe au point 6, comptes payés et à payer. Donc, la liste des comptes payés et à payer. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des rapports concernant les comptes payés et à payer au 8 mars 2021. Que les rapports concernant les comptes payés et à payer pour la période du 9 février 2022 au 8 mars 2022 soient ratifiés. Que ce conseil autorise le paiement des comptes à payer, lesquels totalisent un montant de 290 583 et 2. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Proulx propose. Pour. 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 Pour.
Au 6.2, on a un avis de motion pour l'adoption du règlement numéro 2022-234 décrétant une dépense de 2 736 000 et un emprunt de 2 736 000 pour des travaux de réfection routière sur diverses routes municipales pour un terme de 15 ans. Donc ça, c'est pour les rangs, le réasphaltage des rangs, là, une présentation qu'on vous avait faite il y a déjà 2 ans. Donc, qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Monsieur Savard donne l'avis de motion. Donc, au 6.3, on a la présentation du règlement. Monsieur Savard, vous voulez nous en faire la lecture, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Le règlement numéro 2022-234 décrétant une dépense de 2 736 000 et un emprunt de 2 736 000 pour des travaux de réfection routière sur diverses routes municipales pour un terme de 15 ans. Le présent règlement a pour objet d'effectuer un emprunt afin de réaliser des dépenses en immobilisation pour la réfection de segments routiers et de certains rangs situés en zone agricole, soit les travaux de réfection du rang Sainte-Sophie et de l'Annonciation afin de rendre ces axes routiers plus sécuritaires. De plus, des travaux de réfection sont nécessaires sur les rues Mathieu, Saint-Dominique, de la rue des Pins à la rue Saint-Michel et des Pins, de la rue des Pins à Saint-André. Des demandes d'aide financière ont été déposées pour la réfection des rangs Sainte-Sophie et de l'Annonciation auprès du ministère des Transports du Québec dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet RIRL, et pour lesquels la municipalité d'Oka a obtenu la confirmation d'un montant totalisant 1 503 605 $. C'est tout. Merci, M. Savard. Donc, merci, M. Savard, pour la lecture. Donc, au 6.4, on a le dépôt du projet. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Savard propose. Pour. 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 6.5, on a l'avis de motion pour l'adoption du règlement numéro 2022-244, modifiant le règlement numéro 2020-217. Décrétant une dépense et un emprunt de 2 128 714 afin de financer en totalité l'aide financière du ministère des Affaires municipales et de l'habitation accordée au montant de 2 128 714 aux fins de réaliser la programmation des travaux prévus dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019 à 2023, afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 472 998. Donc, qui donne l'avis de motion? Je donne. Madame Desnoyers donne l'avis de motion. C'est un gros titre. Oui. J'ai pas mal tout dit, finalement. Dans le titre. Donc, au 6.6, présentation du règlement numéro 2022-244. Donc, Madame Desnoyers, voulez-vous nous en faire la lecture, s'il vous plaît? Certainement. Alors, on répète. Vous m'entendez? Hein? Okay. Le présent règlement modifie le règlement 2020-217, décrétant une dépense et un emprunt de 2 128 714 $ afin de financer en totalité l'aide financière du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation accordée au montant de 2 128 714 $ aux fins de réaliser la programmation des travaux prévus dans le cadre... Afin de réaliser la programmation des travaux prévus dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour les années 2019 à 2023, adoptée à la séance ordinaire du 7 avril 2020, afin d'augmenter la dépense et l'emprunt d'un montant additionnel de 472 998 $ portant ainsi la dépense et l'emprunt à 2 601 712 $ Cette modification résulte du fait que les gouvernements du Québec et du Canada ont pris la décision d'octroyer à l'ensemble des municipalités
un important soutien financier afin de favoriser la relance de l'économie dans toutes les régions du Québec. Dans une lettre envoyée le 7 juillet 2021 à l'attention du maire M. Pascal Quevillon, les gouvernements ont fait part de leur intention de verser un montant additionnel à la municipalité d'Oka de l'ordre de 472 998 $. Voilà. Merci pour la lecture, Mme Desnoyers. Donc, au 6.7, on a le dépôt du projet de règlement 2022-244. J'aurais besoin d'un proposeur. Cécile propose. Madame Desnoyers propose. Pour. 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 6.8, affectation d'un montant de 4 550 $ de l'excédent accumulé non affecté à l'excédent de fonctionnement pour les étangs aérés. Besoin d'un proposeur. Monsieur Proulx propose. Pour. 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 6.9, autorisation à la directrice des finances à signer l'entente de service avec Roger pour le transfert de 2 lignes téléphoniques. Proposeur. Steve propose. Monsieur Savard propose. Pour. 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 6.10, paiement de la contribution régulière pour la période du 1er janvier 2022 au 14 avril 2022 à Tricentris, donc le centre de tri pour le recyclage, au montant de 3 679,54 $ plus les taxes applicables. J'ai besoin d'un proposant. Cécile propose. Madame Desnoyers propose. Pour. 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 6.11, dépôt du rapport d'activité 2021 de la trésorière effectué en vertu du chapitre 13 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Donc, ce conseil accepte le rapport d'activité de la trésorière pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, conformément à l'article 513 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. J'ai besoin d'un proposant. Philippe propose. Monsieur Aubin propose. Pour. 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 6.12, rapport du directeur général et greffier trésorier quant à l'embauche d'une coordonnatrice au camp de jour, poste saisonnier, temps partiel. Donc, Madame Émile Labelle, à titre de coordonnatrice du camp de jour, poste saisonnier, temps partiel. Donc, bienvenue dans l'équipe, Madame Labelle. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Proulx propose. Pour. 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 7.1, on a le rapport mensuel du service de l'urbanisme et de l'environnement. Donc, Monsieur Proulx, vous voulez nous en faire la lecture, s'il vous plaît. Bonsoir. Donc, pour le mois de février, 29 permis de délivrer, dont 2 permis de lotissement pour une valeur d'investissement totalisant 1 948 000 $. Un logement de créé, 0 logement de supprimé, 3 avis d'infraction de transmis, aucun constat d'infraction de transmis et 18 requêtes sur 21 ont été traitées. Merci. Merci, M. Proulx. Donc, 7.2, demande de dérogation mineure. Donc, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a analysé lors de la réunion régulière tenue le 24 janvier 2022 les demandes de dérogation mineure DM 2022-0101 et DM 2022-0102. Donc, c'est les deux dérogations qu'on vous a présentées au début de l'Assemblée. Donc, pour le 115 rue Belleville et le 47 rue Notre-Dame. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Proulx propose. Pour. 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 7.3, demande d'approbation de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a analysé lors de ses réunions régulières tenues le 24 janvier 2022 et 21 février 2022, les demandes d'approbation de plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA suivantes, à l'égard desquelles s'applique le règlement 2011-98 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale.
Donc, on a le 107 et 107A rue Belleville. Donc, c'est d'approuver la demande de PIA 2022-0207 pour une nouvelle construction unifamiliale isolée avec garage attenant et logement. On a le 115 rue Belleville, donc d'approuver la demande de PIA 2022-0108 pour une nouvelle construction unifamiliale isolée avec garage attenant. Donc, c'est conditionnellement à ce qu'un bandeau de maçonnerie de pierre de couleur grise soit ajouté sur la façade principale secondaire. 47 Notre-Dame, donc d'approuver la demande de PIA 2022-0105 pour une construction de bâtiment commercial isolé, conditionnellement à ce que soit fourni un plan d'aménagement de stationnement conforme au règlement concernant le zonage 2016-149 des plans et devis d'ingénieur pour l'aménagement du stationnement avec un système de drainage de surface du stationnement ainsi qu'un système d'éclairage, un plan d'implantation fait par un arpenteur géomètre et les plans d'architecture pour la construction. De plus, un droit de passage devrait être notarié et publié avant la fin des travaux pour l'allée d'accès à sens unique sur le lot 5 699 054. Le bâtiment accessoire d'entreposage en cour arrière devra avoir une fondation, une dalle monolithique et un plan de lotissement devra être déposé et approuvé selon la nouvelle configuration des lots proposés. Au 49 rue Saint-Sulpice, d'approuver la demande de PIA 2022-0203 pour la rénovation du bâtiment principal, ajout d'une fenêtre en façade. 37 rue du Timonier, d'approuver la demande de PIA 2022-0208 pour une nouvelle construction unifamiliale isolée avec logement accessoire et garage intégré, conditionnellement à ce que la superficie du terrain devant être préservée à l'état naturel, donc 20 % soit illustré au plan d'implantation selon les dispositions du règlement concernant le zonage 2016-149. J'ai besoin d'un proposeur. Jérémy propose. Monsieur Beau propose. Pour. Pour. 7.4, octroi d'un contrat à l'entreprise conteneur ATS pour l'achat d'un conteneur pour l'écocentre municipal au montant de 21 945 plus les taxes applicables. Donc, on a eu trois demandes de prix, mais seulement un a soumissionné parce que c'était un conteneur spécifique avec un bassin pour récupérer le liquide. Donc, les deux autres compagnies n'étaient pas capables de fournir ce genre de conteneur. Donc, considérant qu'il est nécessaire d'améliorer l'entreposage des résidus domestiques dangereux à l'écocentre, considérant qu'une demande de prix a été faite auprès de trois entreprises pour l'achat d'un conteneur pour l'écocentre municipal, considérant le prix soumis par l'entreprise conteneur ATS, que ce conseil octroie un contrat à l'entreprise ATS pour l'achat d'un conteneur pour l'écocentre municipal au montant de 21 945 plus taxes applicables. J'ai besoin d'un proposeur. Cécile propose. Madame Desnoyers propose. Pour. 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 Au 8.1, travaux publics, donc rapport mensuel du service des travaux publics. Monsieur Bourque, vous voulez nous en faire la lecture, s'il vous plaît? Bien sûr, monsieur le maire. Donc, bonsoir tout le monde. Voici le rapport mensuel du service des travaux publics, ainsi que les réalisations principales du mois. Donc, arrosage et entretien des patinoires extérieures au parc Optimiste et PAA, entretien de la glissade au parc Optimiste, montage et démontage de l'événement des aventures polaires au parc Optimiste, montage et démontage de l'événement de la disco des neiges au parc Optimiste, réparation de la fuite sur le réseau d'aqueduc en face du 151 rue Notre-Dame, réparation de l'asphalte en face du 151 rue Notre-Dame, réparation de la fuite sur le réseau d'aqueduc au coin des rues des Pins et de Sainte-Dominique, tournée de déglaçage des puisards à travers la municipalité, tournée de déneigement et de déglaçage des fossés et des ponceaux à travers le territoire, hein, d'Oka. Tournée de nids de poules à travers le territoire. Travaux de déneigement et salage des entrées des bâtiments municipaux. Travaux de déneigement des bornes fontaines. Requête de signalisation. Requête pour l'entretien de l'éclairage de rue.
requêtes diverses de loisirs, de voirie et d'entretien de bâtiments. Pour un bilan mensuel de requêtes, 73 de reçus, 50 de complétés. Pour un bilan annuel de 122 de reçus, 97 de complétés et en attente de 102. Merci, voilà. M. Bourque. Ça me fait penser, j'ai oublié de vous le mentionner tantôt, là, on a fait une requête aussi au ministère des Transports. Entre la rue Saint-Jacques et la rue Giroir, il y a un luminaire sur deux qui ne fonctionne pas. Donc, c'est des luminaires qui appartiennent au ministère des Transports. Donc, la requête elle a été effectuée là, au ministère des Transports là, pour venir corriger la situation. 8.2, autorisation de signature du protocole d'entente. Donc, considérant la correspondance du ministère, de la ministre, excusez, correspondance de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et de la ministre responsable des aînés et des proches aidants, datée du 21 décembre 2021, annonçant que la municipalité d'Oka est admissible à une aide financière de 100 000 $ dans le cadre du programme d'infrastructure municipalité amis des aînés, PRIMADA. Considérant qu'un protocole d'entente établissant les travaux admissibles à l'aide financière ainsi que les modalités de versement dont doit intervenir entre le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et la municipalité d'Oka, que ce conseil autorise le maire, M. Pascal Quevillon, à signer pour et au nom de la municipalité d'Oka le protocole d'entente à intervenir dans le cadre du programme d'infrastructure municipalité amis des aînés et tout document donnant effet à la présente résolution. J'ai besoin d'un proposeur. Oui, propose. Monsieur Savard propose. Pour. 8.3, autorisation au directeur des services techniques de recourir à un appel d'offres public pour la rénovation intérieure de la mairie et du sous-sol de la Maison des jeunes d'Oka. Donc, ce conseil autorise le directeur des services techniques, donc M. Christian Leduc, à recourir à un appel d'offres public pour la rénovation intérieure de la mairie et du sous-sol de la Maison des jeunes. Proposeur. Cécile propose. Madame Desnoyers propose. Pour. 8.4, octroi d'un contrat à l'entreprise MRQ pour la réalisation des travaux de marquage de rue pour les années 2022 à 2024 au montant de 84 831,96 plus les taxes applicables. On a eu 4 demandes de prix, donc considérant que 3 entreprises ont soumis un prix excluant les taxes, donc à savoir entreprise MRQ 84 831,96. Ligne Masca Inc., 152 570,36. Et Marquage et traçage du Québec Inc., 155 147,35. Que ce conseil octroie un contrat à l'entreprise MRQ pour la réalisation des travaux de marquage de rue pour les années 2022-2024 au montant de 84 831,96 plus les taxes applicables. J'ai besoin d'un proposeur. Jérémy propose. Monsieur Bourque propose. Pour. Au 8.1, hygiène du milieu, rapport mensuel du service de l'hygiène du milieu. Monsieur Savard, voulez-vous nous en faire la lecture, s'il vous plaît? Oui, le rapport projet complété. La recherche des fuites d'eau sur les deux réseaux d'aqueduc est complétée à 95%. La fuite d'eau réparée le 7 février au 151 Notre-Dame a permis à colmater une fuite de 13 000 litres d'eau à l'heure. La fuite a pris 10 jours. La fuite a pris 10 jours avant de remonter à la surface et à la suite d'un bris complet de la conduite provoquant une fuite de 36 000 litres d'eau à l'heure. Nos équipes ont eu du mal à la déceler car celle-ci avait trouvé son chemin dans une ancienne conduite d'égout désaffectée. La recherche de fuite a aussi permis de déceler et de réparer une fuite d'eau au coin des rues des Pins et Saint-Dominique. Celle-ci s'était frayée un chemin dans le réseau d'égouts pluvial sans être apparente à la surface. L'économie d'eau faite à la suite de la réparation a été de 4 000 litres d'eau à l'heure. Projet en cours.
terminer la recherche de fuites d'eau sur le réseau et de l'usine et des puits. La conception des équipements requis pour les projets de réfection des installations de production et de distribution d'eau potable avant bien et la conception est presque terminée. Les ingénieurs entameront d'ici une semaine la conception des plans de construction. Les rencontres nécessaires avec les différents intervenants ont eu lieu de démarrer le projet de forage de 3 puits d'exploration en vue de remplacer des puits, 2 puits actuellement vulnérables aux inondations sur le réseau des puits et l'ajout d'un 3e. Les futurs puits resteront dans la nappe phréatique actuelle. Ceci était le rapport. Merci, M. Savard, pour la lecture. Donc, au point 10.1, rapport mensuel du service des loisirs et de la culture. M. Proulx, voulez-vous nous en faire la lecture, s'il vous plaît? Oui. Donc, on veut remercier tous les citoyens et citoyennes d'Oka pour leur participation à l'aventure polaire à la Disco des Neiges. On remercie du fait même nos partenaires, la Maison des jeunes d'Oka, la Société des arts et cultures d'Oka, la Sûreté du Québec, Voile Oka, Fevtech Productions, Coursol Miron Architecte, les Jardins d'Oka, ainsi que nos sympathiques bénévoles. On veut aussi remercier tous les gens qui travaillent à la municipalité des travaux publics et du service des loisirs pour l'animation et l'aménagement du site. On vous rappelle que le badminton libre à l'école secondaire d'Oka est réouvert, et de nouveau en fonction. L'espace libre action ici à la salle des loisirs. La programmation printemps 2022, les inscriptions sont jusqu'au 11 mars 2022. On vous rappelle qu'il est toujours possible maintenant de faire la location de salle municipale. Les organismes communautaires, les reprises des activités des organismes ont redébuté le 21 février. Les camps de jour, les inscriptions se feront d'ici peu. Les services d'un accompagnateur sont disponibles pour les enfants ayant besoin des besoins particuliers. Les prochains événements, la journée de l'environnement et de la famille, le 28 mai, de 11h à 15h. Au niveau de la bibliothèque, il y aura des conférences guitare et compagnie, présentation d'instruments à cordes, guitare acoustique, classique, baryton, manouche, électrique, mandoline. J'en passe. Venez découvrir tous ces instruments à cordes. C'est le vendredi le 11 mars de 19h à 20h30. Les âges qui sont acceptés de 8 ans à 14 ans. Merci pour la lecture, M. Proulx. Donc, 10.2, amendement de prolongation de la lettre d'entente de service aux sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge. Donc, considérant que la municipalité d'Oka doit prendre des mesures pour assurer la protection des personnes et des biens contre les sinistres, conformément à la loi sur la sécurité civile et le Code municipal du Québec, que ce conseil accepte de participer à la collecte de fonds de la Société canadienne de la Croix-Rouge et s'engage à verser une contribution annuelle de 18 sous par capita pour l'année 2022-2023, basée sur une population totale de 5 988 habitants pour la durée de l'entente pour un montant de 1077,84. J'aurais besoin de proposeur. Philippe propose. Pour. Pour. 10.3, nomination au sein du comité de suivi du plan d'action de la politique familiale municipale. Donc, considérant le poste vacant pour le siège réservé à un organisme communautaire en lien avec la famille ou les jeunes, que ce conseil nomme Mme Laurence Amélie Quevillon, qui n'est pas parent avec moi, je vais préciser. La nouvelle directrice de la Maison des jeunes d'Oka, au siège réservé à un organisme communautaire en lien avec la famille ou les jeunes au sein du comité de suivi du plan d'action de la politique familiale municipale. Peut-être parent, mais de loin. J'ai besoin d'un proposant. Jérémy propose. Monsieur Bourque propose. Pour. 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 Pour.
10.4, attribution d'un mandat à la firme Archéofaune pour la surveillance archéologique lors des travaux de démolition de la salle des loisirs et de l'aménagement du stationnement sud du projet de construction de la salle multifonctionnelle au montant de 6 600 plus taxes applicables. Donc, on a eu 3 demandes de prix. Donc, Archéofaune, 6 600 Ethnoscope, 12 624 WSP, 21 125. Donc, ce conseil attribue un mandat à la firme Archéofaune pour la surveillance archéologique, les travaux de démolition de la salle des loisirs et de l'aménagement du stationnement sud du projet de construction de la salle multifonctionnelle au montant de 6 600 plus taxes. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur le maire, je voudrais juste apporter une petite correction. C'est 6 660. Donc, 6 660? Oui. 6 660 $. J'ai besoin d'un proposeur. Pour... Philippe propose. Monsieur Robin, propose. Pour. 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 10.5, demande d'aide financière à la MRC de Montagne dans le cadre du Fonds Région Ruralité pour le projet d'aménagement d'une rampe universelle à la salle multifonctionnelle. Que ce conseil autorise le directeur général à déposer une demande d'aide financière à la MRC de Montagne dans le cadre du Fonds Région et Ruralité pour l'aménagement de la rampe d'accès universelle de la salle multifonctionnelle et l'autoriser à signer pour et au nom de la municipalité d'Oka le montant d'aide financière ainsi que tout document donnant effet à la présente résolution. Donc, c'est suite aux présentations, à la deuxième présentation, là, on avait eu des commentaires de citoyens comme quoi qu'on l'accès pour les personnes à mobilité réduite se faisait par l'arrière. Donc là, on a décidé, on a pris la décision là, de mettre une rampe d'accès à l'avant puis un accès aussi à l'avant là, pour les personnes à mobilité réduite. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Cécile propose. Madame Desmoyers propose. Pour. 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 11.1, donc communication et tourisme. On a le rapport mensuel du service des communications et du tourisme, monsieur. Oui. À l'occasion des journées de la persévérance scolaire qui se sont déroulées du 14 au 18 février, le conseil municipal a remis aux élèves de l'école des Pins ainsi qu'aux élèves de secteur de la Pointe aux Anglais qui fréquentent l'école de l'Amitié un ensemble de marqueurs aux couleurs de l'arc-en-ciel en guise de récompense pour leurs efforts déployés à l'école. Nous avons également transmis une lettre aux jeunes de l'école secondaire d'Oka pour les encourager à poursuivre leurs efforts dans leur cheminement académique. Les comptes de taxes municipales. Les comptes de taxes ont été mis à la poste dans la semaine du 21 février. Le premier versement est le 24 mars, le deuxième le 23 mai, le quatrième le 22 juillet, le troisième le 22 juillet et le quatrième le 20 septembre. La municipalité accorde un escompte de 2 % pour un compte de 300 $ et plus payé en un versement unique. Au plus tard, à la date d'échéance du premier versement. Notez que les comptes de taxes sont présentés sous un nouveau format. Il s'agit de l'application de la refonte ministérielle des formulaires d'avis d'évaluation et des comptes de taxes. Si vous avez des questions spécifiques liées à votre compte de taxes, nous vous invitons à communiquer avec le service des finances. Marché public. La période d'inscription au marché public d'Oka pour la saison 2022 est présentement en cours. Parmi les incitatifs mis en place par la municipalité pour favoriser un marché des produits locaux, nommons que les entreprises d'Oka ont bénéficié de 2 semaines de préinscription et que leurs locations sont sans frais pour toute la saison. C'est tout. Merci, M. Proulx, pour cette lecture. Donc, au point 11.2, autorisation à la responsable du service des communications et du tourisme de recourir à un appel d'offres sur invitation pour la conception et implantation du nouveau site Internet de la municipalité d'Oka. Donc, que ce conseil autorise la responsable du service des communications et du tourisme à recourir à un appel d'offres sur invitation pour la conception et l'implantation du nouveau site Internet de la municipalité d'Oka. J'ai besoin d'un proposeur. Jérémy propose. Monsieur Bourque propose. Pour. 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 Pour.
11.3, approbation du système de pondération et d'analyse des offres de services pour la conception et l'implantation du nouveau site Internet de la municipalité d'Oka. Donc, appel d'offres sur invitation 2022-03. Que ce conseil approuve la grille de pondération du document d'appel sur invitation 2022-03 qui servira à l'analyse des offres de services pour la conception et implantation du nouveau site Internet de la municipalité d'Oka. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Proux propose. On va attendre un petit peu. Ça ne sera pas long, on a un petit problème de connexion pour deux de nos élus. Savoir est de retour. Monsieur Aubin-Staben est de retour. OK, désolé, donc je suis pour. Donc, on était en 11.3. Oui, je suis pour. 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 11.4, autorisation à la responsable du service des communications et du tourisme à présenter une demande d'aide financière au ministère de la Culture et des communications du Québec. Dans le cadre de l'appel à projet pour le soutien aux initiatives de commémoration pour l'inauguration de la salle multifonctionnelle. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Steve propose. Monsieur Savard propose. Pour. 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 Donc, au point 12.1, sécurité publique, on a le rapport mensuel du service de sécurité incendie. Monsieur Savard, vous nous en faire la lecture, s'il vous plaît. Bien sûr, monsieur le maire. J'ai deux rapports. J'ai celui-là on va commencer par celui-là du 1er au 31 janvier. Donc, sortie préventive, il y en a eu deux fois. Un incendie, une fois. Sauvetage en VTT, deux fois. Sauvetage sur glace, deux fois. Alarme d'incendie, deux fois. Accident de la route sans désincarcération, excusez, une fois. Entraide, trois fois, pour un total de 10 fois, incluant les appels d'aide, d'entraide. Donc, c'est pour ce qui est du mois de janvier. Pour ce qui est du mois de février, du 1er au 28 février. Donc, alarme à monoxyde de carbone, une fois. Incendie de véhicule, une fois. Sauvetage avec VTT, une fois. Panne d'ascenseur, vérification, une fois. Accident de la route sans désincarcération, une fois. Entraide avec camion-citerne, deux fois. Sortie préventive, infiltration d'eau, une fois, pour un total de 8 fois. C'est tout. Merci, M. Savard. Donc, au point 12.2, on a un avis de motion pour l'adoption du règlement numéro 2022-239, modifiant le règlement 2012-108. Portant sur les limites de vitesse afin de modifier diverses dispositions. Donc, qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Donc, au 12.3, on a la présentation du règlement. Monsieur Bourque, pouvez-vous nous en faire la lecture? Bien sûr. Hein? Le présent règlement vise à établir une limite de vitesse maximale à 30 km/h pour les rues Belleville, Descollines, Chevalier, de la Chantecler et du Verger. Il vise également à prolonger la zone de 30 km/h sur la rue de l'Annonciation jusqu'à la rue Saint-Jacques et de prolonger la zone de 50 km/h sur le rang de l'Annonciation jusqu'à l'adresse du 230 rang de l'Annonciation. De plus, le présent projet de règlement vise également à réduire les zones de 80 km/h dans les rangs, donc Saint-Jean, Sainte-Germaine, de l'Annonciation, la montée du village, Sainte-Sophie et la montée de la Côte-Rouge à 70 km/h. Merci, M. Bourque, pour la présentation. Donc, au 12.4, on a le dépôt du projet de règlement 2022-239. J'aurais besoin d'un proposant. Jérémy propose. M. Bourque propose. Pour. 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 Pour.
12.5, octroi d'un contrat à l'entreprise Patrouille Canine Inc. pour le service de contrôle animalier et de recensement porte-à-porte pour une période du 9 mars 2022 au 28 février 2022, au montant de 41 150 plus les taxes applicables. Considérant que la municipalité d'Oka désire mandater une entreprise pour les services de contrôle animalier pour la période du 9 mars 2022 au 28 février 2023. Considérant que la municipalité d'Oka désire faire effectuer un recensement porte-à-porte des chiens sur son territoire. Considérant qu'une demande de prix a été faite auprès de 3 entreprises. Considérant que la mise en route de la nouvelle plateforme Emily pour l'enregistrement des chiens nécessitera le recensement porte-à-porte afin d'assurer la bonne compréhension du nouveau fonctionnement. Considérant que 2 entreprises ont soumis un prix excluant les taxes, donc les entreprises sont les suivantes, Patrouille Canine Inc. 25 150 $ plus un recensement porte-à-porte de 16 000 $ Puis il y a Carrefour Canin qui est à 25 430 et eux font du recensement, mais par la poste, le montant de 3 000 $ Considérant que l'entreprise Patrouille Canine Inc. est prête à faire le recensement porte-à-porte, considérant que le prix le plus bas provient de l'entreprise Patrouille Canine Inc., prix le plus bas excluant le recensement, bien sûr, que ce conseil octroie un contrat à l'entreprise Patrouille Canine Inc. pour le contrôle animalier au montant de 25 150 selon les prix unitaires mentionnés à son offre de prix du 24 février 2022, plus 16 000 $ pour le recensement de porte-à-porte, le tout plus les taxes applicables. J'ai besoin d'un proposant. Yannick propose. Monsieur Proulx propose. Pour. Affaire du conseil, donc 13.1, dépôt des certificats du greffier trésorier relatif à la participation des membres du conseil municipal à une formation portant sur la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Donc, ce conseil accepte le dépôt des certificats du greffier trésorier attestant la participation de chacun des membres du conseil municipal à une formation portant sur la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale donné le 3 février 2022 par Maître Rino Soucy de la ferme Dufresne-Hébert-Comeau, avocat, lequel est autorisé à dispenser les formations en éthique et déontologie en matière municipale. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Savard propose. Pour. 13.2, nomination d'un membre du conseil au comité de la sécurité publique. Donc, considérant la nomination de la conseillère Cécile Desnoyers au comité de la sécurité publique au terme de la résolution 2022-01-2035, considérant l'obligation de nommer un deuxième représentant municipal pour la municipalité d'Oka pour siéger sur le dit comité, que ce conseil désigne Mme Karine Bouchard, conseillère municipale, à agir à titre de représentant de la municipalité d'Oka au sein du comité de la sécurité publique en compagnie de Mme Cécile Desnoyers. J'ai besoin d'un proposant. Jérémy propose. Pour. Pour. Au 13.3, donc les élus municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien. Considérant que la Fédération de Russie a envahi militairement la République d'Ukraine. Considérant que la Fédération de Russie a, ce faisant, violé les règles internationales du respect de l'intégrité des frontières nationales et provoque la mort de milliers de personnes et l'exode de citoyens ukrainiens. Considérant qu'à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler les conflits entre nations. Considérant que les élus municipaux et le peuple québécois sont profondément affligé par les souffrances vécues par le peuple et les communautés ukrainiennes. Considérant que la volonté des élus municipaux du Québec d'exprimer leur désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes pour régler les conflits.
considérant que la volonté des élus municipaux et de la population québécoise d'exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien. Considérant que les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de nombreux Québécois et Québécoises envers le peuple ukrainien, notamment à travers des dons à la Croix-Rouge canadienne. Que la municipalité d'Oka condamne avec la plus grande fermeté l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Que la municipalité d'Oka joigne sa voix au concert des nations pour appeler la Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l'Ukraine et à régler ses différends par la voie de la diplomatie. Que la municipalité d'Oka demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse. Que la municipalité d'Oka invite ses citoyens à participer à l'effort de solidarité envers le peuple ukrainien. Que la municipalité d'Oka déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l'accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire. Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, au premier ministre du Québec, M. François Legault, à l'ambassade de la République d'Ukraine, à l'ambassade de la Fédération de Russie, à la Fédération québécoise des municipalités et aux médias régionaux et nationaux. Donc, si tout le monde est d'accord, j'avais proposé unanimement. Bien sûr. D'accord. Donc, dans autre sujet, j'ai oublié tantôt pour le CCU, nomination CCU. Il est trop tard. Hein? Oui. Donc, on ajouterait un point, nomination CCU. Donc, il y a eu des entrevues qui ont été passées là, par notre directeur de l'urbanisme, le M. Gingras, puis en présence de M. Proulx aussi. Donc, on irait avec la nomination de Mme Chantal Lévesque. J'ai besoin d'un proposeur. Yannick propose. M. Proulx propose. Pour. 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 Donc, au point 15, on a une période de questions générales. Donc, Mme Beaudoin, est-ce qu'on avait des questions? Oui, donc, M. le maire, nous avons reçu une question par courriel de M. Michel F. Gélina. Donc, la question, M. le maire, le 1er mars, vous écriviez sur les médias sociaux que vous aviez demandé à la direction de la municipalité de ne plus répondre à des requêtes d'accès à des documents soumis par certaines personnes. Suite à un commentaire d'une citoyenne, vous avez corrigé vos propos, puis effacé votre commentaire. Vous avez également... Je vais répondre à ça. On va continuer la lecture ensuite. Donc, j'ai corrigé, parce que c'est vraiment toutes les demandes, autres que les demandes d'accès à l'information que j'ai demandé au directeur général, que ces demandes-là ne soient transmises à moi. Et... entre autres, des demandes courriel qui explosaient. Notre direction ne fournissait pas à répondre là, à ces demandes-là. Donc, on a été élus démocratiquement. Ces demandes-là venaient de l'opposition. Puis, une majorité des citoyens nous ont fait confiance pour gérer la ville avec des gestionnaires en place de confiance. Donc, j'ai demandé au directeur général que ces demandes courriel-là me soient adressées à moi pour alléger le travail de nos gestionnaires, pour favoriser l'ensemble des citoyens et non un petit groupe. Donc, les demandes d'accès à l'information, c'est régi par une loi. Donc, c'est le directeur général qui doit y répondre. Puis, le commentaire n'a pas été effacé, est encore en place. Donc, le commentaire a été doublé. J'ai effacé un des deux commentaires. Le commentaire est encore publié. On peut continuer, Mme Baudouin.
Donc, vous avez également indiqué que la municipalité avait songé à engager une personne pour répondre aux requêtes soumises en vertu de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Pourriez-vous nous préciser combien de requêtes d'accès à des documents la municipalité a reçues en 2022 et pour chacun des trimestres de 2021, 2020 et 2019, afin de nous permettre de juger de l'augmentation et de l'étendue de la charge de travail? Vous voyez, c'est ce genre de demande-là qui demande beaucoup de temps. Il faut faire des recherches. On cule jusqu'en 2019. C'est ce genre de demande-là qui demande beaucoup de temps. Ça nous fait plaisir de le faire. Mais quand c'est des demandes répétitives qui viennent souvent de la même personne, à un moment donné, ça devient presque de l'abus. Puis, souvent, ces gens-là ont un intérêt personnel, ont une vengeance personnelle envers la ville. Ce qui est déplorable. J'ai répondu à un commentaire sur la page Oka Vie Politique parce qu'un citoyen bienveillant qui n'était pas en accord avec une minime majorité qui écrivent souvent sur cette page de réseaux sociaux s'est fait ramasser par ces personnes-là. Puis je trouvais déplorable que ce citoyen-là se fasse ramasser. On est dans une démocratie. C'était triste de voir ça. Puis j'ai répondu justement pour prendre la défense de ce citoyen-là, qui est un citoyen exemplaire. Ce citoyen-là s'est impliqué dans les années précédentes d'une façon exemplaire pour les jeunes, pour la fondation du Parc Optimiste. C'est vraiment de l'implication exemplaire. Puis, il s'est fait ramasser par quelques citoyens, une minorité. Puis, j'ai trouvé ça déplorable. Puis, j'ai trouvé important de répondre à ce monsieur-là. Puis, oui, j'ai mentionné qu'on avait regardé la possibilité d'engager quelqu'un pour répondre à ces demandes d'accès à l'information. Je n'ai pas les chiffres devant moi, mais je peux vous dire qu'en 2020-2021, les demandes ont doublé. Donc, c'est pour cette raison que j'ai demandé à la direction générale que les demandes courriel soient adressées au maire, puis qui continue à traiter, dans le fond, les demandes d'accès à l'information. Je suis quelqu'un de très patient dans la vie, vous le savez, mais là, ma patience, ça commence à être pas mal limitée. Avec la lettre que M. Proulx a reçue dans les dernières semaines, on a certaines personnes qui agissent un peu comme influenceurs dans la ville. Pour une petite municipalité comme Oka, c'est déplorable de voir ça. Puis c'est pas vrai qu'on va endurer ça. Il y a une majorité des citoyens qui nous ont fait confiance pour administrer la ville. Pendant que nous, on gère la ville et on administre la ville avec les gestionnaires qui sont très compétents, on fait une très bonne job. Puis pendant ce temps-là, il y en a qui s'enfargent d'un fleur du tapis. C'est pas vrai qu'ils vont prendre notre temps pour les vraies choses. J'espère que ça répond à la question. Est-ce qu'on avait d'autres questions, Mme Beaudoin? Donc, M. le maire, nous avons une intervention, plusieurs interventions de Mme Marie Simard sur la chaîne YouTube. Donc, toutes ces formes d'intimidation est évidemment inacceptable. Est-ce qu'il y a du soutien ou des programmes particuliers proposés par l'UMQ ou d'autres organisations afin de contrer ce fléau qui est relativement récurrent sur Oka, il me semble, et plus largement dans la région? Cette situation crée une certaine forme d'insécurité, insécurité de s'exprimer librement, entre autres, en tant qu'habitante d'Oka. Il y a eu beaucoup de sensibilisation, en fait, je vous dirais, par les unions municipalités du Québec, FQM. Il y a même le premier ministre qui est sorti là, en dénonçant les pissous virtuels. Il y a quand même quelques mois de ça. C'est vrai, ça existe. Les gens se cachent derrière leur écran, puis ils se pensent invincibles derrière leur écran. Puis pendant ce temps-là, nous, on travaille. Tu sais, nos élus là, travaillent à temps plein, la plupart. Mme Desnoyers est retraitée, mais la plupart des autres élus travaillent à temps plein. Puis, ils donnent leur temps pour la ville, pour justement la lecture de documents, la prise de décision, les caucus et tout. Puis, c'est déplorable de lire certains commentaires des fois.
Puis, ces gens-là, la plupart du temps, ont des intérêts personnels. Ils font pour eux par vengeance ou parce qu'ils ne sont pas d'accord nécessairement avec une position de la ville. Mais c'est impossible qu'un conseil municipal puisse prendre des décisions puis que ça soit unanime auprès des citoyens. C'est impossible. Puis c'est partout dans toutes les municipalités. Il y a des petits groupes qui se soulèvent, puis ça crée des pages Facebook, puis ça parle contre les élus et tout ça. C'est partout. Mais est-ce que c'est une raison pour l'accepter? La réponse est non. Puis là, il y en a qui ont dépassé les limites. Je reviens avec la lettre là, de M. Proulx. C'est inacceptable. Puis on n'acceptera pas ça. Puis c'est pas vrai que aujourd'hui, en 2022, là, on se croirait dans une cour d'école. Les surveillantes à l'école n'endureraient même pas ça. Il y en a plusieurs qui seraient au bureau de la direction, je peux vous le dire. Bien, merci pour votre message et votre support, Mme Simon. Donc, M. le maire, j'ai perdu la connexion pour aller voir les commentaires sur YouTube. Donc, je ne sais pas ce qu'on est rendu sur le clavardage. OK. Mais sinon, je n'ai pas vu de questions là, depuis ma déconnexion personnelle sur YouTube. On va vous donner un peu de temps. Pour ce qui est de la lettre, là, je reviens là-dessus, là, mais la Sûreté du Québec a été rencontrée. Là, M. Proulx a été rencontré à la Sûreté du Québec. Ils ont une copie de cette lettre-là. Puis je rappelle, s'il y en a qui ont de l'information qui pourrait aller jusqu'à l'arrestation de cette personne-là, on est prêt à donner là, jusqu'à 500 $ de récompense là, pour attraper la personne qui a envoyé la lettre, qui contenait là, des menaces, puis aussi des propos inacceptables. Donc, M. le maire, je confirme qu'il n'y a plus de questions sur le clavardage en ligne. Plus de questions sur le clavardage en ligne. On n'avait plus d'autres questions courriel non plus. OK, est-ce qu'on a des questions dans la salle? On n'a pas de questions dans la salle. Donc, on est rendu au point 15. Point 15 est terminé. Donc, point 16, levée de la séance. J'ai besoin d'un proposeur. Pour. 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 Merci beaucoup, tout le monde.